Bonjour. C'est l'un des piliers de l'âge d'or de World Tales, le magazine américain qui parut de 1923 à 1954, consacré aux récits d'horreur, aux histoires extraordinaires, aux textes de science-fiction fondés sur l'étrange, que je consacre le programme d'aujourd'hui. Rappelons que World Tales révéla notamment des écrivains tels que Lovecraft, Robert Howard, ou encore Robert Bloch. Je vous présente aujourd'hui Abraham Merritt, 1884-1943. Aventurier, puis rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire d'information, l'American Weekly, il appartient à cette génération d'écrivains qui, comme Edgar Rice Burroughs ou, dans une autre veine, Lovecraft, ont contribué à la naissance de la science fantasy anglo-saxonne. Cette catégorie de récits, à mi-chemin du fantastique et de la science-fiction, se rapproche à bien des égards de l'héroïque fantasy, dont elle possède souvent le caractère épique, mais son cadre géographique et historique lui confère une certaine autonomie au sein des littératures de l'étrange, de même que son propos où science et magie font généralement bon ménage. Son premier roman, Le Gouffre de la Lune, 1919, oscille entre symbolisme onirique et récit d'aventure. Dans la plupart de ses œuvres, se retrouvent mondes oubliés et héros affrontés à des forces colossales, tels le roman Le Visage dans l'Abîme, par exemple, en 1923, ou Les Habitants du Mirage en 1932. On lui doit également les romans Le Monstre de Métal 1920, La Nef d'Ishtar 1923 ou encore Sept Pas vers Satan en 1927. Je vous raconte aujourd'hui Le Bassin du Dieu de Pierre, une nouvelle d'Abraham Merritt, écrite en 1923 sous le pseudonyme de W. Fenimore. Faites place, s'il vous plaît. Voici l'histoire du professeur James Marston. Une vingtaine de corps savants ont courtoisement écouté son récit, puis se sont plaints entre eux qu'un homme aussi brillant eût une telle obsession. Le professeur Marston me l'a raconté à San Francisco, juste avant de commencer à chercher l'île qui abrite le bassin du dieu de pierre et les bâtiments qui l'entourent. Il m'a semblé très sain d'esprit. Il est vrai que l'équipement de son expédition était inhabituel, et parmi les choses les moins curieuses, on pouvait voir des cottes de mailles, des masques, des gantelets dont chaque homme du groupe devra être pourvu. « Nous cinq, » dit le professeur Marston, « nous nous sommes assis côte à côte sur la plage. » Il y avait Wilkinson, le premier officier, Bates et Cassidy, les deux marins, Waters, le perlier, et moi-même. Nous étions tous sur le chemin de la Nouvelle-Guinée, où j'ai étudié les fossiles pour le Smithsonian. Le Moranus avait heurté un récif affleurant la nuit précédente et avait coulé rapidement. Nous étions alors à environ 500 milles au nord-est de la côte guinéenne. À nous cinq, nous avions réussi à larguer un canot de sauvetage et à nous enfuir. Le bateau était bien approvisionné en eau et en provisions. Nous ne savions pas si le reste de l'équipage s'était échappé. Nous avions aperçu l'île à l'aube et nagé vers elle. Le canot de sauvetage
a été tiré en toute sécurité sur le sable. Nous ferions mieux d'explorer un peu, de toute façon, a déclaré Waters. C'est peut-être un endroit idéal pour attendre les secours, au moins jusqu'à la fin de la saison des typhons. Nous avons nos pistolets. Commençons par suivre ce ruisseau jusqu'à sa source. Regardons l'endroit et décidons ensuite de ce que nous ferons. L'intérieur de la forêt était moins dense. Nous avons vu devant nous une clairière. Nous l'avons atteinte et nous nous sommes arrêtés, stupéfaits. Elle était parfaitement carrée et large d'environ 500 pieds. Les arbres s'arrêtaient brusquement sur ses bords, comme retenus par une force invisible. Mais ce n'est pas cette impression singulière qui nous a retenus. Au fond de la place se trouvait une douzaine de huttes en pierre regroupées autour d'une légère plus grande. Ces constructions m'ont rappelé avec force les structures préhistoriques que vous voyez dans certaines parties de l'Angleterre et de la France. J'aborde maintenant la chose la plus singulière de tout ce lieu étrange et sinistre. Au centre de l'espace se trouvait un bassin entouré d'énormes blocs de pierre de taille. Sur le bord s'élevait une grande statue de pierre, sculptée à l'apparence d'un homme aux mains tendues. Elle mesurait au moins 20 pieds de haut et était extrêmement bien exécutée. De loin, elle paraissait nue, mais avec un effet de drapé particulier. En nous approchant, nous avons vu qu'elle était couverte des chevilles au cou d'ailes sculptées extraordinaires. Elle ressemblait exactement à des ailes de chauve-souris repliées. Il y avait quelque chose d'extrêmement inquiétant dans ceci. Le visage était affreusement laid et malin. Les yeux, de forme mongole, exprimaient le mal. Ce n'était pas du visage, cependant, que ce sentiment semblait émaner. C'était du corps couvert d'ailes et surtout des ailes. Elle faisait partie de l'idole, et pourtant, elle donnait l'impression d'y être accrochée. Cassidy, une grosse brute d'homme, s'est approché de l'idole et a posé la main dessus. Il la retira rapidement, le visage blanc, la bouche tremblante. Je l'ai suivi et, vainquant ma répugnance, j'ai examiné la pierre. Elle, comme les huttes et en fait tout le lieu, était clairement l'œuvre de cette race oubliée dont les monuments sont éparpillés sur le Pacifique Sud. La sculpture des ailes était magnifique. Elles étaient en forme de chauve-souris, comme je l'ai dit, pliées et se terminaient chacune par un petit anneau de plume conventionnel. Leur taille variait de 4 à 10 pouces. J'ai passé mes doigts dessus. Jamais je n'ai ressenti pareille nausée et je tombais à genoux devant l'idole. L'aile paraissait lisse et froide comme une pierre, mais j'avais la sensation d'avoir touché une monstrueuse créature obscène d'un monde inférieur. La sensation venait bien sûr, raisonnais-je, uniquement de la température et de la texture de la pierre, et pourtant, cela ne me satisfaisait pas vraiment. Le crépuscule serait bientôt là. Nous avons décidé de retourner à la plage et d'examiner la clairière plus longtemps le lendemain. J'avais très envie
d'explorer les cabanes en pierre. Nous sommes repartis à travers la forêt. Nous avons marché une certaine distance avant la nuit tombée. Puis, nous avons perdu de vue le ruisseau. Après une demi-heure d'errance, nous l'avons entendu à nouveau. Nous avons marché vers le bruit. Les arbres ont commencé à s'éclaircir et nous avons pensé que nous approchions de la plage. Puis, Waters me serra le bras. Je me suis arrêté. Directement, en face de nous, se trouvait l'espace ouvert avec le dieu de pierre lorgnant sous la lune et l'eau verte brillante à ses pieds. Nous avions fait un cercle. Bates et Wilkinson étaient épuisés. Cassidy a juré que, démons ou pas, il allait camper ce soir, là, au bord du bassin. La lune brillait avec éclat et tout était trop calme. Ma curiosité scientifique a eu raison de moi et j'ai pensé à examiner les huttes. J'ai laissé Bates garder notre camp et me suis dirigé vers la plus grande. Il n'y avait qu'une seule pièce et le clair de lune qui brillait à travers les fentes du mur l'illuminait. Au fond, se trouvaient deux petits bassins encastrés dans la pierre. J'ai regardé dans l'un et j'ai vu une faible lueur rougeâtre reflété par un certain nombre d'objets globulaires. J'en ai pris une demi-douzaine. C'étaient des perles, de très belles perles, d'une teinte particulièrement rose. J'ai couru vers la porte pour appeler Bates, et je me suis arrêté. Mes yeux avaient été attirés par l'idole de pierre. Était-ce un effet du clair de lune ou est-ce que ça bougeait? Non, c'était les ailes. Elles se sont détachées de la pierre et se sont agitées. Elles se sont agitées, dis-je, des chevilles au cou de cette statue monstrueuse. Bates les avait également vues. Il était debout avec son pistolet levé. Puis, il y eut un coup de feu. Et après cela, l'air fut rempli d'un son précipité comme celui d'un millier de spectateurs applaudissant. J'ai vu les ailes se détacher du dieu de pierre et s'abattre en nuages sur les quatre hommes. Un autre nuage a surgi du bassin et les a rejoints. Je ne pouvais pas bouger. Les ailes tournaient sans relâche autour des quatre hommes. Tous étaient maintenant debout et leurs visages exprimaient plus d'horreur que je n'en ai jamais vu. Puis les ailes s'abattirent sur eux. Elles se cramponnèrent à mes compagnons comme elles s'étaient accrochées à la pierre. Je suis retourné dans la cabane. Je suis resté là toute la nuit, fou de terreur. Plusieurs fois, j'ai entendu des battements d'ailes précipités dans l'enceinte, mais rien n'est entré dans ma hutte. Avec l'aube,
est venu le silence, et je me suis traîné jusqu'à la porte. Là se tenait le dieu de pierre aux ailes gravées comme nous l'avions vu 10 heures auparavant. J'ai couru vers mes 4 compagnons couchés sur l'herbe. J'ai pensé que j'avais peut-être fait un cauchemar, mais ils étaient morts, et ce n'était pas le pire. Chaque homme était réduit à la peau et aux os. Ils ressemblaient à des ballons blancs effondrés. Il n'y avait pas une goutte de sang en eux. Ce n'était que des os enroulés dans une peau fine. Me maîtrisant, je me suis approché de l'idole. Il y avait quelque chose de différent. Elle semblait plus grande, comme si cette pensée me traversait l'esprit, comme si elle avait mangé. Puis j'ai vu qu'il était couvert de minuscules gouttes de sang qui étaient tombées des extrémités des ailes qui le revêtaient. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé par la suite. Je me suis réveillé sur la goélette perlière Luana qui m'avait ramassé, fou de soif, comme il l'avait supposé, dans le canot du Moranus. Le bassin du dieu de pierre. Une très courte nouvelle d'Abraham Merritt, écrite en 1923 sous le pseudonyme de W. Fenimore. Vous avez ainsi un aperçu du travail de cet écrivain dont je vous propose toutefois de vous résumer l'un de ses romans, le premier pour être exact, intitulé « Le gouffre de la lune », écrit en 1919 et qui oscille, comme je vous l'ai précisé en début de programme, entre symbolisme onirique et récit d'aventure. Je ne peux cependant m'abstenir de faire le parallèle avec un roman de Lovecraft dont je vous résumerai tout à l'heure la teneur. Le gouffre de la lune raconte l'histoire d'une race avancée, humaine et non humaine, qui s'est développée dans le noyau de la Terre et dont les membres les plus intelligents finissent par créer une progéniture, entité qui englobe à la fois le grand bien et le grand mal, mais qui, lentement, se détourne de ses créateurs pour se tourner vers le mal. L'entité est appelée le résident ou l'être de lumière. Finalement, de la race qu'il a créée, il n'en reste que 3, appelés les sages dits silencieux ou purgés, et décrits comme plus élevés, plus nobles et plus angéliques que l'humanité. Ces silencieux ont été condamnés par les bons de leur race à rester dans le monde et à ne pas mourir, en punition de leur orgueil qui fut la source de la calamité résidente, jusqu'à ce qu'ils détruisent leur création, s'ils le peuvent encore. Ce qu'ils ne veulent pas, ils continuent à l'aimer. Pourtant, le résident ne cesse de remonter à la surface de la terre pour capturer des hommes et des femmes à travers une porte sur un îlot du Pacifique, victime qu'il maintient dans une stase impie et qui, d'une certaine manière, le nourrissent.
Il accroît ainsi sans cesse ses connaissances et son pouvoir. Mais il a un seul point faible. Il ne connaît pas l'amour. Un jour, un scientifique, le docteur Goodwin, parti pour sauver des amis savants dans le Pacifique, aidé du pilote Larry O'Keefe ainsi que d'autres. Ils finissent par suivre le résident dans son antre et en fait ils y sont précipités. Ils rencontrent Yolara, une femme belle et maléfique, servante du résident, ainsi que Lakla, une femme belle et bénéfique, servante des silencieux. Lakla et Yolara jettent leur dévolu sur O'Keefe et finissent par se battre pour lui. La joyeuse troupe découvre aussi un peuple de nains ultra-puissants et resplendissants, ainsi qu'un peuple d'humanoïdes que les silencieux ont développé à partir d'une espèce de grenouille particulière. Lakla évite aux nouveaux venus de se faire absorber par l'être de lumière, et une bataille se développe alors entre les forces du bien, c'est-à-dire les trois silencieux, et les forces du mal, l'être de lumière. Le monde, mais aussi l'existence du bien lui-même est en jeu. Les forces du bien peuvent-elles l'emporter en utilisant la peur comme arme? Ou devraient-elles compter sur l'amour exprimé par un sacrifice volontaire? En sachant que Lakla, Larry et les autres semblent être des enjeux cruciaux de ce conflit. Un bref résumé du roman « Le gouffre de la lune » d'Abraham Mérite, écrit en 1919. Je fais le parallèle avec ce roman de Lovecraft, « Le tertre » en anglais « The Mound », qui est une nouvelle d'horreur et de science-fiction rédigée de décembre 1929 à janvier 1930 par l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, engagé comme porte-plume par la femme de lettres Zilia Bishop. Zilia Bishop, 1897-1968, était une auteure américaine de fantasy liée à Lovecraft. Elle écrivait des nouvelles de fantasy pour Weird Tales. Cependant, elle était souvent relue et réécrite par Lovecraft sans qu'il soit crédité. On peut raisonnablement admettre que ce roman, Le Tertre, a été totalement révisé par Lovecraft. En voici un résumé. Un ethnologue, ayant eu vent de mystérieuses légendes, s'aventure au fin fond d'un monticule où, protégé par un mystérieux talisman, il découvre une curieuse civilisation aussi barbare qu'effrayante, quoique avancée technologiquement, les Knians, résidents des kilomètres sous terre. On dit que personne n'est jamais remonté vivant de ce monde ctonien, ou alors délirant à vie. L'ethnologue trouve également un curieux cylindre assez inquiétant, avec des informations sur cet univers intérieur donné par l'un de ses nombreux explorateurs chanceux, un conquistador espagnol du nom de Zamacona. Visiblement, les Knians sont immortels et ont soumis d'autres races avant eux, résidant également dans ce monde englouti, les ayant biologiquement modifiés et en ayant même ressuscité certains pour en faire des esclaves, les matérialisantes et dématérialisantes agrées.
assoiffés de sang, et las de leur spectacle trop classique, les Knyans sont ravis de l'arrivée de ce visiteur de l'extérieur, la Terre, qu'ils ont déjà colonisée en partie par le passé, avant de renoncer en raison d'une ère glaciaire terrible. Ils ont bâti leur civilisation sur les ruines d'autres plus anciennes qui en avaient fait autant, et les précédentes également, de plus en plus profondes et obscures sous la terre, sans vraiment savoir qui en est à l'origine. Ils parlent également d'un royaume sans lumière, où l'on vénérait un être tellement effrayant que le simple culte en fut interdit par la suite, car cela avait causé l'extinction de la race en question. Les hypnotiques et multiformes chogotent pour cause de pratiques douteuses. Les Knyans, bien qu'à la pointe de la technique surhumaine, ont régressé par ennui et sont retournés à la manipulation mentale et à l'esclavagisme des bêtes de somme. Le conquistador, voyant qu'ils régressaient, leur parla des terriens, mais comprit que ce peuple était prêt à envahir la terre pour l'exploiter sans vergogne avec ses pouvoirs. En retour, les Knyans se méfiaient des terriens et de leur attrait immodéré pour l'or et la domination, et refusent que Dzamakona les quitte. Celui-ci tente une sortie avec Tlayub, une Knyan, qui connaissait une ouverture non gardée vers l'extérieur, ramenant avec elle un rouleau relatant la vérité sur les mondes souterrains afin de prévenir les terriens. Mais Tlayub est trahie par un de ses esclaves et capturée. Elle est torturée et mutilée en public, dans les arènes, avant de devenir un zombie sans tête, gardant l'entrée en question. Dzamakona, lui, subira un sort peu ou prou semblable. Après avoir été gardé quelque temps pour que les Knyans l'exploitent, il parvient cependant à faire sortir le rouleau du tertre. Le narrateur, à son tour, n'y croyant pas, finit par explorer le monticule et découvre la vérité, dont le corps mutilé de Dzamakona. Il fuit à toutes jambes, sombrant dans la folie. Pour en revenir à l'écrivain Abraham Merritt, sa réputation ne fut pas toujours très bonne dans le cercle des fans et des critiques de l'époque, mais il compte parmi les auteurs qui ont le plus marqué Howard Phillips Lovecraft, et notamment dans son histoire Les êtres de l'abîme, qui contient à elle seule et en peu de pages toutes les bases du mythe lovecraftien. Les histoires d'Abraham Merritt tourne de manière typique autour des thèmes convenus des pulp magazines de l'époque. Des civilisations perdues, antiques et oubliées, des créatures terrifiantes et une bonne dose de fantastique. Merritt injectait dans ses histoires poésie et onirisme, mais une poésie sombre et un merveilleux qui n'occultait jamais l'épique ou l'action. À côté de cela, le personnage ne manquait pas de pittoresque. Merritt fut archéologue, explorateur au Mexique, aventurier, allant jusqu'à devenir le frère de sang d'un guerrier indien. Il possédait également en Floride une ferme expérimentale où il cultivait sous serre des espèces rares. Guère étonnant donc que plusieurs de ses histoires mettent en scène, comme personnages principaux ou secondaires, des scientifiques. Guère étonnant encore qu'il se soit illustré dans le genre de la science-fantasy, mêlant à ses récits robots, principes et théories, se mêlant avec bonheur à l'aventure et à l'action. On trouve également chez lui, régulièrement, un côté mystique ou spirituel
avec des interrogations sur la vie, la mort, les dieux, l'amour. Tout autre chose, et sans transition aucune, et afin d'apaiser les éventuelles tensions inhérentes à ce programme, je vous propose de terminer en musique avec Sunrise, une composition interprétée par Kurt Zeltner, artiste suisse, et Tania Scheichel-Ebenhoch, musicienne, écrivain et professeur de violon autrichienne. Texte et musique de Kurt Zeltner, sorti en février dernier. À bientôt. Black night has fallen. You're wrapped in depressed and blue. Black might be calling, and its hand reaches for you. The sun will rise again, and then the sun will rise again, and then the burden you carry, it won't let you sleep. The weight of the sorrow, the exit seems so steep. The sun will rise again, and then the sun will rise again, and then. And I'm not the first one to tell you what will be. No, I'm not the first one to tell you what you'll see. But I hope that I'm the first one